6 institutions d'enseignement supérieur et universitaire en ville de Goma et des environs du secteur public ont organisé ce samedi 30 octobre 2021 une double cérémonie commune de collation des grades académiques et la clôture de l'année académique 2020-2021. C'était au stadium de basketball de l'ISC. Il s'agit de l'Université de Goma Unigam, de l'Institut supérieur de commerce, ISC, de l'ISTU, de l'Institut supérieur de pêche, de l'ISP Nyiragongo et de l'ISP Machumbi. Les 6 meilleurs lauréats de l'année de ces institutions ont été présentés par le secrétaire général académique de l'ISC, le chef de travaux Jaribu Muliwavio. Parmi eux, une grande distinction a été enregistrée au département de la santé de l'Unigam par le biais du lauréat Kikangala qui a obtenu 80,7%, suivi d'un lauréat de l'ISC en la personne de Kasereka Sivunaviroa qui a réussi avec 79,6%. C'est le professeur Dr Mouindo Mouanda, recteur de l'Unigam et président de la conférence provinciale des chefs d'établissement au Nord Kivu, qui a conféré les grades des gradués, licenciés et docteurs en médecine à ces différents lauréats et qui a insisté sur le fait que la paix peut resplendir la science. Il a sollicité l'accompagnement de l'autorité provinciale dans les différentes réformes envisagées par le ministère des tutelles de l'ESU et a prodigué quelques conseils au comité de gestion notamment qui doivent faire et qui preuve de bonne gouvernance, mais également au corps enseignant. Je voudrais maintenant demander à ceux d'entre vous qui ont distingué de contempler la possibilité de s'inscrire au troisième cycle. Parce qu'il y en a un qui distingue et ils tentent leur chance pour devenir assistant. Bon, il faut être assistant, mais tout en se mettant sur route beaucoup plus longue. J'invite aussi ceux qui se sont distingués et ceux qui auront leur diplôme, qu'ils essaient de voir dans quelle mesure ce diplôme peut correspondre à ce qu'ils représentent. Les lauréats, à travers leurs représentants, ont promis d'œuvrer au service de la nation et de faire preuve de responsabilité. C'est le gouverneur de province, le lieutenant général Constant Dima, qui a procédé à la clôture solennelle de cette année académique 2020-2021 et a recommandé aux lauréats d'être utiles à la société dans la reconstruction et le développement. Les diplômes qui vous seront décernés par vos institutions respectives ne sont que de simples papiers contenant identité, filière d'études suivies, ces mentions obtenues. Le plus important est que la société entend de vous être utile pour sa reconstruction. C'est là que vos diplômes seront revêtus de toutes leurs valeurs. Il faut noter que les lauréats ont reçu les félicitations de l'autorité provinciale.